Moment d'émotion toute particulière dans cette émission avec, disons-le, la disparition il y a 2 semaines d'un technicien chevronné qui avait offert à la Côte d'Ivoire sa première participation en Coupe du Monde. Retour sur les mémoires, les souvenirs de ces professionnels qui ont pratiqué l'homme de 2006 à 2008. Également, nous proposerons tout de suite son itinéraire, son parcours professionnel en tant que coach inoubliable, singulier. Dimanche de foot vous offre tout de suite un dossier d'hommage spécial à Henri Michel Adjamin, le premier. Il aura été le sélectionneur qui a mené les éléphants de Côte d'Ivoire à leur première Coupe du Monde de football. C'était en Allemagne, en 2006. Le mardi 24 avril dernier, Henri Michel a tiré sa révérence. Depuis cette date, les messages de soutien à sa famille et les témoignages se sont multipliés. Ce dimanche, DDF rend hommage à celui qui a dirigé le staff technique des éléphants de 2004 à 2006. Henri Michel, c'est 30 années de présence sur les bancs de touche entre la France, le Golfe et l'Afrique, au nombre des sélections qu'il a entraînées, les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a passé 2 années exceptionnelles, ponctuées par une finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et une participation à la Coupe du Monde de la même année. Il a dirigé une génération dorée, composée de joueurs comme Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Cyril Domoro, Haruna Dendané, Jean-Jacques Tizier, Bonaventure Kalou et bien d'autres encore. Certains de ces ex-éléphants se sont livrés à Dimanche de foot. En parcourant les nouvelles sur Internet, que je suis tombé sur le décès d'Henri Michel. J'ai appris le décès d'Henri Michel par les réseaux sociaux. Et après, j'ai reçu plusieurs appels pour me dire qu'Henri était décédé. Et j'ai passé un coup de fil en Europe pour essayer d'avoir la confirmation. Et c'était cela. Ça a été un coach qui nous a façonné, un coach qui nous a donné beaucoup de confiance, un coach qui nous a apporté des choses différentes, un coach qui nous a dit qu'on était capable. Plus de 10 ans après, et malgré la douleur de la séparation, Domoro, Dendané, Tizier et Kalou ont encore en mémoire le discours de leur ancien sélectionneur disparu. Il a été lui-même footballeur, donc déjà il comprenait, il savait réellement ce qu'il fallait dire. Et c'était vraiment des mots simples. Il nous disait toujours d'avoir confiance en nous, de savoir qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner des matchs. Si on arrivait à jouer ensemble, si on arrivait vraiment à jouer l'un pour l'autre. Il plaçait toujours un mot pour chacun des joueurs. Bon, moi, je connais le mien, il me disait toujours « Oh, réfléchis pas, joue ». Quel que soit le résultat du match, même quand on perdait et que tout le monde était un peu déçu ou découragé dans les vestiaires, il trouvait toujours les mots. Et quand il y avait la victoire aussi, il ne s'enflammait pas. Personne n'a oublié sa psychologie d'avant et d'après-match, sa science du 4-4-2 et surtout son message dans le vestiaire, un triste soir du dimanche 4 septembre 2005. On reste à 4-2 derrière. Trop souvent, on reste à 4-2. Mais son discours, il était sobre. Il y croyait parce que pour lui, il y avait des joueurs qui pouvait très bien animer ce système-là. Le coach, je me souviens, on avait parlé à cette époque, il avait dit mathématiquement, tout est possible. On a cru jusqu'au bout et voilà, on a eu la qualification. C'est la première fois que je voyais, pour ma part, un entraîneur vraiment au bord des larmes. Je pense qu'il s'est mis à l'écart un moment. Je suis sûr que ce monsieur-là a coulé des larmes. 2 années de cohabitation, ça laisse forcément des souvenirs intarissables que même la mort ne peut faire disparaître. Du match effectivement contre le Cameroun, quand j'ai pris la blessure, avant le début du match, il m'a dit ben, « écoute, prépare-toi ». Pourtant, il savait que j'étais blessé, mais il m'a dit « prépare-toi, tu restes avec Gérard dans le but ». C'était son premier match à Abidjan et il était tellement sous pression parce qu'il voulait réussir. Il s'est trompé de joueur. Et celui qui devait être latéral droit, je crois que c'était Olivier Tebili. Et je crois qu'il a mis Kwasi Blaise à la place. Passé également par l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie et le Kenya, le natif d'Aix-en-Provence était clairement amoureux de l'Afrique.
Il a laissé une empreinte indélébile partout où il a exercé. Depuis le dimanche 27 avril dernier, Henri Michel repose dans sa ville natale. Le jour de ses obsèques, le monde du football français lui a rendu un dernier hommage. Merci, Henri. Henri Michel qui s'est éteint à l'âge de 70 ans. C'était sélectionneur des Bleus, également de l'équipe de Nantes. L'équipe de Nantes lui a rendu un très très bel hommage cet après-midi à travers le port d'un maillot noir floqué Michel et son numéro inoubliable, le numéro 8, comme vous pouvez le voir à l'instant sur l'écran. Et puis sur la pelouse de la Beaujoire, le portrait et le nom d'Henri Michel clairement dessiné. Voilà. Voilà.